Bonjour, alors ici vous êtes dans la cabane à sucre canadienne, typiquement québécoise en particulier. Et je vais faire chauffer du sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est un produit qui est fait avec de l'eau d'érable, c'est-à-dire la sève de l'érable, notre arbre, emblème. Et ça prend 40 litres de sève d'érable pour faire 1 litre de sirop d'érable. Alors moi ici, je prends le sirop déjà prêt, je le mets dans la marmite, je le fais évaporer encore un peu pour lui donner une consistance un peu plus épaisse, ce qui devient de la tire d'érable. Au Québec, on appelle ça de la tire sur neige parce qu'on sert ça sur la neige. En le faisant chauffer, après je dépose la tire chaude sur une surface gelée. Ça le fait figer rapidement et ça devient un petit bonbon caramélisé tout à fait délicieux. Chez nous au Québec, c'est une tradition. On en mange à chaque occasion qu'on a pour en manger et quand ça fait pas, on se crée des occasions pour en manger. Alors, on a de la neige suffisamment pour en faire presque toute l'année. Alors, on vide le sirop d'érable dans la marmite. Pour le faire chauffer et pour en faire ce qu'on appelle au Québec de la tire sur neige. Alors, on va le faire chauffer pendant quelques minutes pour le monter en température, pour le faire évaporer encore un peu, ce qui va nous donner de la tire sur neige. Alors, on n'a pas un contrôle parfait sur la température avec un feu de camp, là, mais on s'en sort quand même pas si pire. On commence à avoir un petit bouillon. Là. Il y a de l'espoir, on va réussir. Ça bout tranquillement, c'est bon. On va être à l'heure. On va faire un petit test pour voir. Probablement pas assez cuit, mais on va tester quand même. Il est mieux de tester 2-3 fois que de passer tout droit et de trop la faire cuire. Comment vous voyez que c'est cuit? Lorsqu'elle rentre dans la surface gelée, c'est qu'elle n'est pas assez cuite. Si elle fige à la surface, elle est assez cuite. D'accord, si c'est caramélisé. Comme là, ça rentre dedans un peu. Ça s'en vient, mais c'est pas encore assez cuit. On a des boules de neige, et on fait juste la saucer un peu dans la marmite. Et là, si c'est tout rentré dans la boule de neige, c'est pas prêt. Ici, à la surface, là, on peut gratter avec notre doigt et se faire une bouchée, c'est que c'est juste à point. Alors, si ça fige à la surface, c'est que ça va être prêt, à la bonne température. C'est très, très proche. Gâche quand même sur la glace, ça refroidit assez vite, ça va bien. Monsieur, ça fait longtemps qu'il attend, monsieur. Oui. Pour faire des petites bouchées comme ça, des petites bouchées de sirop d'érable, de tire d'érable, tire sur neige. Et si je vous le dis en québécois, c'est de la tire sur neige.